Eh bien, salut tout le monde, c'est Chacha King avec Planche de Bois, comme d'habitude, et on se retrouve sur Void Train. Regardez-le là. Oh, qu'est-ce que tu fais? On se boxe, on se distrait, ça c'était complètement what the fuck. Voilà, bien sûr, le jeu est toujours en early access, donc c'est normal qu'il Mais reste quelques bugs. c'est trop bien les jeux en early access, du coup il y a des bugs. Bah ouais, puis en plus, ça fait que les gens qui aiment bien ce jeu, et bah ils viennent sur mes vidéos et j'ai fait plein de vues et après je gagne de l'argent. Non, je gagne pas d'argent en fait, je suis pauvre. Non, mais en Pas tout tout de cas, suite, pas tout de aujourd'hui, suite. voilà, Les pas tout de choses suite. sont... les bonnes choses se font toujours attendre, tu sais, Charlie. Voilà, exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Void Train avec Planche de Bois, comme vous avez pu l'entendre, avec sa petite voix. Ou grosse Mais voix, oh ça dé. là! Putain! T'arrêtes de critiquer ma voix là! Oh, je vais te goumer! Eh, crie pas, crie pas, crie pas, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Hop. Ah, c'est bon, là, Mais je en suis tout énervé. cas, ce que je me suis dit, c'est que vu que vous avez déjà vu énormément de parties de farming, je me suis dit que je vais vous skip jusqu'au prochain arrêt de train, en fait. Du coup, on va pouvoir démarrer dès maintenant, en fait. En abandonnant Planche de Bois. Arrête de tirer partout, ils t'ont rien fait, ces bestioles. Y a de la bouffe, et la bouffe c'est toujours bien. Oui, effectivement, la bouffe c'est bien. D'ailleurs, moi je suis en train de crever de faim et de soif, mais bon. C'est moi ou on part dans le mauvais sens là? Je crois bien, oui. Voilà. Mais On me bon, disait, en tout attends, cas, on a changé de sens depuis la dernière fois? dès que je trouve quelque chose d'intéressant, ou alors dès qu'on arrive à la station, je vous retrouve en ce moment-là. Juste, on se retrouve parce que, comme vous pouvez le voir, là au fond, on voit très 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 bien les choses. Elles n'ont pas vraiment de nom en fait. On peut pas savoir ce que c'est, ces trucs. Hein. Mais on voit très 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 bien qu'il y en a une là-bas au fond. On Ah l'entend oui! et on la voit Ah oui, très bien. je vois un gros truc! Je vois un Voilà. gros truc qui bouge là! Ah Voilà. oui! Peut-être à cause de mon gamma, que je vois mal. Bah, je sais pas, moi perso, le mien il est pas trop changé donc. De base, il était à 30, non? J'en ai aucune idée, j'y ai pas touché. Ah oui, du coup, je l'ai remis à 30 parce que moi je l'avais mis à 100. Ouais, on voit un petit peu mieux, ouais. Ah, c'est Ouais, tellement c'est stylé. énorme! On dirait tellement un... Comment ça s'appelle? Un Gargantium Léviathan. Ah, Genre là-bas c'est le Void et tout, tu vois. tu te crois trop dans Subnautica là. Bah on vole déjà, on vole, ça fait comme si on était dans de l'eau. On a... Bon c'est vrai que dans Subnautica on n'a pas de gun, mais... On a quand même un fusil de stase. Ouais. Tac, je vais juste récupérer ça. Et on va se crafter. Bah du coup, je vais rester un petit peu avec le rec enclenché parce que, en gros, là, ce que vous voyez que je suis en train de faire, je suis en train de faire la blinde de craft. C'est comme ça que je vais pouvoir débloquer la plateforme. Donc avec un peu de bol, cette plateforme, justement, on va pouvoir la poser. J'en suis pas sûr, hein. Mais avec un peu de bol, justement, on va pouvoir la poser. À voir par la suite, du coup, on va pouvoir relancer le train. Tac, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je vais boire un petit coup. Hop, voilà. Et là, du coup, ce que je vais pouvoir faire, quand je bois, c'est que je vais pouvoir nous débloquer la plateforme. On l'avait pas déjà débloqué? Non, Wooden justement. floor. C'est pas ça, wooden floor? Non, mais par contre, keep moving forward. Tutorial repairing. Ah, apparemment, on va avoir un souci de. Ah oui, il y a une. Allez, dégage. Tutorial, keep moving. There are many interesting things ahead of you, including and spending and a train. At one flowing depot, you need to prepare for this for getter source. Other part, fully develop yourself. Je sais Ouais, pas, je sais. en gros c'est un peu comme dans Raft quoi. Genre il dit qu'il faut avoir beaucoup de ressources, enfin des ressources, pour être bien préparé à subir des attaques et à être. Ah, ok. Et à réparer le train du coup. Et bah du coup maintenant on peut débloquer les bandages, on peut débloquer les stériliseurs et la cuisine, on va enfin pouvoir faire cuire notre viande. Nice. Ah, qui fait la femme? Moi j'ai une barbe, du coup c'est toi. Cette blague était de très mauvais goût. Ce sera cut. Non. Désolé Si. pour toi, ce ne sera pas cut. Oh, on est dans le brouillard là. Bon Pourquoi allez. tu cut? Moi du coup, je vous retrouve une fois qu'on aura atteint la gare comme je vous l'avais dit. Et ça y est, on se retrouve du coup parce qu'on est en train d'arriver vers la gare. Du coup, je sais pas si c'est cool, mais ça devrait être cool, on va dire. Non mais calme-toi, calme-toi. Mais je préviens notre arrivée. Généralement, lorsqu'un train arrive à la gare, il fait sonner la corne et je fais sonner la corne. Oui, mais en général, il y a des gens à la gare que là, voilà On sait quoi. jamais. Il y a Non. peut-être des gens dans cette gare. Oui, Même il y si en on va a pas les même. récupérer dans notre train.
Non mais je te dis que oui, il y a de grandes chances qu'il y ait des gens dans la gare. Je t'en dis pas plus, mais il y a de grandes chances qu'il y en ait, ouais. Bah dans des gares, il y a sûrement des gens parce que c'est pour qu'on aille récupérer des gens, la gare. Et ils vont pas forcément être très bien attentionnés, les gens qu'on va avoir dans cette gare, si tu veux C'est savoir. comme les méchants pas beaux dans laquelle t'as mis un post-it de porte verrouillée pour qu'ils entrent pas. Voilà, exactement. Ah. Mais non, Je crois que ce dans sera pas l'intro des du jeu. méchants pas beaux de ce genre-là. Je Ce crois sera pas que des Allemands. dans l'intro du jeu, on aurait dit on était des soviétiques, genre tu sais, les soviétiques pendant la Ah Seconde ouais. Guerre mondiale. Non mais là Genre, c'était je pendant la pense. Première Guerre mondiale. C'est Première Guerre mondiale, Void Train, c'est pas seconde. Ah, première. Ouais, Ah, c'est d'accord, en fait. première. Je croyais que c'était pendant la seconde. Non, c'est première, c'est première. D'accord. Et Ah, la bah ça va, musique. c'est des méchants pas beaux, mais un peu beaux quand même, quoi. La musique qui se lance. Ah, il y a de la pure ice, dice. Ça donne beaucoup d'eau, ça. Retourne sur le train, Hans. Hans, retourne sur le train. Tac, c'est bon, je me suis remis bien en termes d'eau. Il me manquera plus que de la bouffe. Mais j'ai débloqué la cuisine, du coup, ça y est. Non, pas genre on a des guns comme ça et on se balade avec nos guns. Tu sais, nos Bah oui. guns. Et en plus on pourra les améliorer nos guns, tu te rends compte, et on pourra mettre des tourelles sur le train. Ouah, vraiment? Oui. Ah, c'est trop tard. Mais arrête de tirer partout. Et après tu me dis oh, arrête de buter les missions bébêtes. Elle a du recul, l'arme. Si, ils ont mis en place un recul quand même. Ah, je veux pas y aller. Bon, prépare-toi, il y aura peut-être des méchants pour de vrai, hein, sur cette station. Oh. Ouais, non? Ça ressemble à une zone fortifiée, genre tu sais, là il y a des gars, ils ont des guns et tout. Mais what? Mais mec, mais on a vraiment pas de bol en fait, genre vraiment. Ah mais en fait, Antomnia, il avait vraiment joué beaucoup avant d'atteindre une station où il y avait un truc intéressant. Je viens de me rendre compte. Hein. En attendant, les stations c'est toujours aussi creepy. Bah, c'est vide quoi. Et il y a toujours cette. Eh, hey, il est de plus en plus proche, j'ai l'impression. Hein. Il était pas aussi proche la dernière fois, on est bien d'accord. Je crois bien, oui, parce qu'on n'avait pas l'effet de flou en le voyant. Ouais. Ah, ok, tu fais la basse-sous. C'est pas une erreur, dans le genre. Mais un truc que je me demande, c'est est-ce qu'on n'aurait pas loupé quelque chose à cette station et est-ce que c'est pour ça qu'on l'a fait en boucle à chaque fois du coup? Mais pourtant, il n'y a rien, j'ai vraiment l'impression, j'ai pas l'impression qu'on ait loupé quelque chose, hein. Moi, j'essaye de tirer partout pour voir si genre il y a des trucs qui s'ouvrent. Ah, c'est pas ça. Non, non, il n'y a rien, vraiment juste on a cette station en boucle en fait, c'est tout. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que j'aimerais bien proposer du contenu un peu différent, mais vraiment, les épisodes bientôt ils vont être tous pareils. Non, mais. Non, mais on devrait bien finir par tomber sur quelque chose d'intéressant, je pense. Juste pour voir, du coup, vu que j'ai débloqué maintenant la. Putain, mais j'ai débloqué la cuisine, mais non, y a rien. Genre, attends, est-ce que je peux faire un wooden floor quelque part? Non. Genre. J'ai un marteau. Oui, tu peux changer entre marteau et crafting book. En fait, tu Repère. restes Hop, appuyé pour sur T. réparer. Durabilité 100, 100, 100. Durabilité 100. Durabilité 100. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas poser. Genre, j'ai débloqué vraiment la plateforme, mais pourquoi je peux pas la poser, quoi? C'est un peu chiant, quoi. Parce que là, vraiment, ouais, on a la blinde de trucs débloqués, mais on peut rien faire. Est-ce que tu as du scrap metal par hasard? Ah ok, Mec, bah il y en a dans le coffre, nickel. mec, 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 Qu'est-ce qu'il y a? genre, je réussis à rentrer dans le truc. Quel truc? Bah, dans là où c'est fermé. En fait, il y a une fenêtre. Est-ce qu'il y a quelque chose au moins là-dedans? Comment t'as fait? Mec, j'ai essayé de le faire, ça a pas fonctionné. Bah, genre, tu vois, genre, tu passes par la fenêtre. Genre, il y a un endroit pour monter. T'es où?
J'ai jamais vu, mais c'est pour ça qu'on se retape celle-là en continu. Il doit y avoir quelque chose ici. Mais y'a rien. Y'a rien du tout. Y'a même pas un... Attends, je vais augmenter mon gamma parce que je vois rien. Bah oui, y'a rien. Mais quoi? Mais c'est quoi cette arnaque? Y'a rien du tout. Bah rip, hein. Et y'a même pas un panneau de commande, un truc comme ça, non? Non, non, y'a rien. Mais de toute façon, je pense qu'on aurait eu le narrateur qui nous aurait dit, en fait, je pense. On aurait eu le narrateur qui nous aurait dit quelque chose, de toute façon. Juste, on redémarre pas tout de suite, je suis juste en train de peaufiner 2-3 petits détails. Là, du coup, comme ça vous permet de voir aussi quand on fait les crafts, tout ça, même si vous en avez déjà vu pas mal des crafts la dernière fois, au dernier épisode, je pense. Mais au moins, comme ça, vous pouvez voir, là, je pense que je vais faire la cuisine, après, à confirmer là où je vais la poser, parce qu'on commence à être un peu en rate de place, là. Ok, du coup, on peut pas monter. Est-ce qu'on peut monter, là, au moins? Tac... Hop, mais en vrai par contre je comprends vraiment pas pourquoi on se retape cette station là à chaque fois. Hein. J'aimerais bien aller voir si je peux pas vraiment aller à l'intérieur du truc carrément. Vu qu'il est beaucoup plus proche maintenant. Ouais, on est bien d'accord pour dire qu'il est beaucoup plus proche qu'avant là. Hein. Je m'en étais clairement pas approché aussi près la dernière fois. Mais c'est vraiment mystérieux les stations par contre. Mais là on est bien d'accord par contre oui pour dire que c'est fortifié par rapport à la dernière fois. Donc on est en train de se rapprocher de quelque chose, c'est sûr à 100% ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais c'est fortifié et c'est abandonné. Du coup ça veut dire qu'ils ont échoué. Mais quelque chose. Genre ils voulaient se protéger de quelque chose. J'ai un problème avec la cuisine. Vas-y, place celle-là. Là. Pff, voilà, mec, quoi. Mais c'est de plus en plus ghetto notre bateau là-bas. Oh, notre bateau, pas. Notre bateau. Notre train. 2021, notre bateau. Mec, notre train, il est de plus en plus ghetto, regarde. C'est le sbeul, là. Oh. Mais non, c'est bien. Ça s'appelle de l'optimisation de rangement, Charlie. Il faut apprendre. Mec, c'est ghetto. Mais... Oh, genre. Ah, on peut se faire de l'eau maintenant, du coup. L'alcool, c'est de l'eau. Et bah... Allez, c'est Tiba, hein, on attends, peut y aller. Attends, Charlie, viens, il y a un problème, là. Qu'est-ce qu'il y a? La porte, là, elle donne où? Vers des toilettes. Ah oui. Par contre, il y a quelqu'un qui a pissé par terre, hein. Vers un couloir qui mène vers des toilettes, je pense. Bon, allez, on y go, et puis on va voir s'il y a une phrase, hein, de toute façon. J'arrive. Ouais, on est d'accord que les fortifications, elles étaient pas là avant. Ouais, non, il y avait pas de fortifications avant, il y en avait pas. Il va faire tout noir. Ta gueule. Pardon. Voidmeister, scare away the shark. Void monster, ouais bah c'est les requins quoi. Ah mec regarde c'est différent par contre, regarde là-bas au fond. Oh je suis en tir penché. What the fuck, j'étais en tir penché mec. Regarde là au fond. Je sais pas, hein, c'est vraiment... Ah ouais. Là-bas au fond il y a des structures qu'on n'avait pas avant. Ah ok. Et bah vous allez pouvoir voir à quel point c'est passionnant, parce que là du coup je vais pas couper tout de suite, vous allez pouvoir voir à quel point c'est passionnant de buter un requin dans ce jeu. Là. Oh je crois qu'il est mort. Attends il a drop des trucs bien. Arrête le train et recule-le s'il te plaît. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais récupérer. Oh, ok, il a mangé. C'est moi qui a failli manger, par contre, là. Ok,
Ah, il m'a pas mis de dégâts. T'as pourtant dit. Attends, 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 tue-le pas là-dessous, après on pourra pas récupérer son loot. Pourtant t'as dit aïe. Oui, parce que il m'a attaqué. Ok, il a rien drop. Non, mais il a rien drop d'intéressant. Il a drop de la bouffe et du cuir, donc on s'en fout, on en a mais déjà plein bien, du cuir. La bouffe. Bah, je me suis fait des steaks personnellement, du coup. Toujours bien la bouffe, tu sais. Ce qui me fait penser que mon perso est extrêmement fin. Ah, moi personnellement, les steaks, je me suis mis bien avec. Hein. En tout cas, il y a une bouche sexy. Hein. Et bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Bah, quand on aura trouvé quelque chose d'intéressant, parce que. Oh, mec, attends, mais le truc là-bas, en fait, c'est un squelette! Bien vu. S'il y a des trucs avec une cage thoracique aussi énorme, je suis pas serein, attends, moi, attends, par contre. Attends, mec, on est d'accord que les pics là. Et c'est des os! C'est des os, mec! Il y a des os aussi dans le ciel, regarde! Ah, mais, mec, regarde derrière! Regarde derrière! Derrière toi, mec! Là, là! Putain, c'est un fémur! C'est moi ou on est dans la merde? Non, mais genre... Wesh, regarde l'os qui est en bas, ça! Et bah, finalement, le jeu il avance en fait. On se tape pas toujours les mêmes trucs en continu là. Il y a des nouvelles choses, il y a des os. Tu crois qu'avec notre petit gun, on va pouvoir rivaliser avec ça? À mon avis, non. Déjà, le requin, on en baffe pour le buter. Et genre, surtout, t'as vu cette case thoracique? Au-dessus, il y a des pics. Tu vois, genre des pics. Un petit peu genre comme les pics qu'on voyait ah, sur oui. les grosses baleines de la mort au fond. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est probablement des squelettes de grosses baleines, ça. Bon, et bah, sur ces belles paroles, moi, je vous retrouve juste après. On se retrouve juste, regardez ce que je viens de débloquer. Ce qu'on a débloqué, c'est Taming the Rolfemo, je sais pas, Rolfemo Nest. Je m'en fous de savoir ce que c'est. Mais je pense qu'on peut avoir un animal de compagnie, donc je suis trop content. Bah, c'est parti, hein. Attends, c'est où, ça? Ça a pas l'air d'être un animal de compagnie, mais plus un robot de compagnie. J'en ai rien à foutre, mec, ça a l'air d'être trop bien. J'espère qu'il est sexy, notre robot de compagnie. Tac, et bah du coup, bah moi, je vais pouvoir continuer de farmer les matériaux en compagnie planche de bois pour débloquer tout ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il va me falloir des boulons, ok. Ça sert à quoi, le leather? Le cuir, il va nous servir plus tard, je pense. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment d'utilité. Mais je pense qu'il va bien finir par avoir une utilité. Hein. Y a pas de raison qu'il en ait déjà, pas. Déjà, il sert à faire des bandages. Ouais, je viens de débloquer les bandages là. Tu peux t'enlever de la table de craft, s'il te plaît? Merci. Tac, le mec là, je suis à fond dans le craft là, du coup. Et du coup, ok, il va me manquer encore une bobine de fil de cuivre. Et bah moi je vous retrouve juste après. Et ça y est, on se retrouve et du coup je vais pouvoir débloquer le craft. Mais du coup en fait je suis con parce que j'ai oublié qu'après qu'on ait débloqué le craft, pour le crafter ça va être un peu plus long que prévu. Ah oui, ça prend beaucoup de temps quand même à faire de l'eau. Et du coup maintenant j'ai débloqué agression indicateur. Throwing, oh nice. It's not just mec. A pet, it's a full flying member of the team. There can be one, du coup il peut y en avoir un seul par wagon. It's a full flying member of the team. They can be one Rolfemo per wagon, they come in different spécialisations, so try to combine the team. Mec, c'est trop bien, en gros ils font le boulot à ta place, genre ça permet ouais, d'automatiser. En fait c'est des workers, et je crois que vu qu'ils ont dit ils peuvent être spécialisés différemment, du coup ils devraient sans doute avoir un arbre de compétences pour faire sans doute certaines choses pour nous aider. Et du coup ils disent qu'il ne peut y en avoir qu'un seul par wagon. Ouais mais c'est pas grave. Pour le moment on a qu'un seul wagon, mais après lorsqu'on aura 45 wagons ça pourra aider. Je sais pas si on peut avoir. Et du coup, concrètement, ils se craftent où les Wolfamo? Pas ici. Peut-être dans Chemical? Ouais, non, c'est un truc qu'on build avec le livre, je pense. Je regarde ça. Ouais, Rolfamo Nest. Ok, nickel. Et bah, c'est type pour se crafter ça. Hein. Voilà, j'ai fait 3 steaks. Ok, nickel. Change. Est-ce que tu peux rajouter du bois à l'intérieur du smelter, s'il te plaît? J'en ai rajouté, ouais. Non, du smelter, pas de la cuisine. Ah. Ben, je crois que j'en ai plus. Non, j'en ai... Oh là là, mais... Oh, t'en as plus? Ah merde. Et bah, go avancer encore. Hein. Un steak. Et du coup, sinon, tira sur la research table et on a débloqué le throwing ring, ça s'appelle. Ça va nous permettre d'aller explorer les îles. Hop, je te fais un steak si tu veux. Non, garde-les pour toi, moi je suis tranquille, j'en ai déjà grillé plein. Alors, steak, use.
Regarde, va, oh, mais va... ça met un peu bien en bouffe, ouais. Regarde, va sur la research table, et en fait, on va, du coup, on va pouvoir se faire les throwing rings. Et les throwing rings, ils vont nous permettre vraiment d'aller explorer les îles alentours. Et probablement trouver des choses dessus, des trésors, des trucs dans le genre. La research table. Ouais. Alors, aggression indicator, oh, ça va être bien ça. Ouais, je pense que ça va être utile aussi, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se faire des wagons, en fait. Winch. C'est un upgrade ça, winch. Le winch, ça a l'air d'être un grappin, un genre ouais, un harpon pour pouvoir choper les peut-être les débris, les trucs comme ah, ça en fait. Ça serait bien ça de harponner des choses via le train. Exactement, oui. Bah justement, ça pourrait peut-être être la quête, le boulot de la petite bestiole justement. Genre elle harponne les ressources pour nous. Mais là le problème c'est qu'on va arriver à court d'espace sur le train, donc on va devoir attendre de pouvoir mettre des wagons en plus en fait. Ouah, ça coûte cher de faire de l'eau par contre. Ah, il y a un obstacle. Ah bah je te laisse t'en occuper. Non mais tu sais pas viser quand même hein. Faut tirer au milieu, bah voilà. Je l'ai eu. Non c'est moi qui l'ai eu. Non c'est moi. Non c'est moi. Ah je te jure à 100% c'est moi qui l'ai eu. Ah et on a fait fuir une bestiole. Tac, essaie de récolter la masse de bois avec moi si possible du coup. Ouais attends, je me fais de l'eau parce que je vais mourir de soif. Y'a pas de problème, t'inquiète. Et bah moi je pense de toute façon je vais vous retrouver à la prochaine gare parce que là de toute façon on va encore devoir continuer de farmer tous nos matériaux. Tac, et du coup bah je vous retrouve juste. Et ça y est, on se retrouve. Et on approche d'une gare. Et est-ce que tu peux remettre du bois du coup à l'intérieur du... J'en ai trois. Du smelter ou pas? Bah ouais. Et du coup on s'approche de la gare, avec un peu de bol on va tomber sur des gens. C'est bon, t'as mis à l'intérieur? Ouais j'en ai mis. Nickel. Et on est quasiment, j'ai quasiment débloqué le craft là du coup en fait, on y est presque, clairement. Tac. Ah merde, j'ai loupé du métal. Mais en fait le problème c'est vraiment là on se retrouve vraiment à court de place là dans, sur le train là. Tac. Et bah on va pouvoir le crafter du coup, ça y est. Le nid de machin. Le nid de Rolfemo. Rolfimo, Rolfa, Rolfomo, Rol Trucmo. Tiens, y a tes trucs là que t'as crafté ici. Tac. Et bah go en craft 1 du coup. Merci. Bon bah on va avoir encore moins de place qu'avant sur le sur ah, le truc ouais. Oh là il y avait de la place bien là. Voilà. Il y a la musique qui se met à un grand. Find Rolfemo in one on the depot and put him in a nest. Oh on va mec on va en trouver un dans le dépôt en fait de Rolfemo. Attends. C'est moi où il y a... Regarde, il y a quelque chose d'inscrit là. Oui, c'est en gros, c'est pour les tutos. Ça te dit qu'il faut aller là-bas dedans pour trouver le Rolfemo en fait. Ah, d'accord. Et du coup, c'est pas une gare, c'est un dépôt en fait. C'est pas... On appellera toujours... Même si les devs appellent ça un dépôt, tout le monde appellera ça une gare, Charlie. Oui, je pense. Allez, moi j'accélère parce que j'ai la flemme. Non mais là tu peux pas accélérer, regarde, t'es en train d'arriver d'arriver à la gare. Au dépôt. Et la musique est toujours autant stylée quand t'arrives ici. Hein. En fait, je pense que la musique vraiment, elle te fait bien comprendre que t'es vers un truc de ouf, genre un truc de malade, tu sais un pas ce que c'est. Badass. Ouais, un truc de fou. Badass. Dans tous les cas, c'est badass. Mais je pense que le Rolfemo c'est nouveau parce que dans la vidéo que j'avais vue, le gars il l'a jamais débloqué ça. Nous venons en paix. Ah mes oreilles. Mais franchement j'adore beaucoup trop ce jeu. Ah, et cette fois il était loin le lézard. Oh elle est gigantesque. Ah et on se fait tirer dessus. Ok il y a des méchants, il y a des méchants. Ah ouais. Ok et bah vous allez avoir le droit à une phase de combat. Il y a des endroits en surveillance. Builder box. Oh mec ça y est. En fait on a trouvé the gare là en fait.
Et bah, et en plus, je pense que je vais faire mon bâtard. Oh oui, d'accord, c'est ça les builder box, ok. Mec, je vais faire mon bâtard. Va falloir attendre le prochain épisode pour pouvoir voir à quoi elle sert cette gare. Oh le bâtard. Ah non, bah là, clairement, bah comme ça, ça pourra meubler pas mal mon prochain épisode vu que j'avais pas forcément énormément d'inspiration. Ouais, ce que tu fais, c'est que là, tu continues le raid, puis tu mets en pause dès qu'on a vidé la gare en fait. Ouais, et bah en gros, là, ce que vous allez avoir le droit, c'est juste le combat, en gros. C'est un to be continued. Vous allez avoir le droit au combat et après, bah faudra attendre le prochain épisode pour voir à quoi cette gare servait. Oh, mais qu'elle est immense la gare. Oh, y'a un gars là. C'est une gare comme ça que j'attendais de croiser moi en fait, si tu veux savoir. Putain, ils font des bruits bizarres. Ouais, ils sont un peu chelous, mais bon. Ah, c'est toi là? Qui court? Ouais. Ouais, c'était toi qui courais comme une merde. Mais oh là, c'est toi la merde. Mec, la blinde de matériaux qu'on trouve ici. Ah, il en reste encore deux. Regarde, kill all enemies in the depot. Ouais, j'ai vu. Il va y en avoir en bas. Hey. Je me suis fait tirer, je sais pas d'où. Ok, visieux. Mec, je parle comme sur Warzone alors que je suis sur Void Train, quoi. Ouais, c'est un PVE là. C'est pas un PVP. Ok, oh, j'ai le dernier. Dernier mort. Now that the enemy is disposed of and our adventurers get a chance to look around, they find a control post mentioned in the diary. Mec, attends, viens voir, viens voir. Et bah, je vous laisse quand même un petit bonus pour la fin de cet épisode là. Tu vois, quand t'as tué les gardes, t'as récupéré des tokens? Non, j'ai rien récupéré moi. Ah ouais, t'en as pas tué assez donc. Bah, viens vers, reviens vers le train avec moi. Avant de tout loot et de tout découvrir. Où est-ce que t'es? Je suis là. Tiens, regarde. Regarde, là, il y a une machine. Et bah, du coup, petit bonus pour vous, pour la fin de l'épisode. Oh, ouais! J'ai du métal. J'ai pas assez de place. Mec, j'en ai plein en plus. De la bouffe, ok. Encore de la bouffe, nice. Je dors! Oh, bon. J'ai que de la bouffe, mais bon. What? Oh, j'ai eu un autre token. Mais t'es mis en vue de côté, je sais pas comment j'ai fait. Encore de la bouffe, ok. Ok, et ça y est, j'ai fini. Et bah du coup, pour voir l'utilité de cette gare, tout ce qui va nous servir ici. Quoique, attends, juste l'objectif ici. Ah non, c'est le panneau de contrôle. C'est plus un altar qu'autre chose. Mais on verra ça au prochain épisode. Moi j'espère que cette vidéo aura plu comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Void Train. C'était Chacha King. Salut. Finalement, la vidéo est pas terminée. Juste c'est pour comme ça en plus je pourrais faire ma miniature. En fait tu mets ta pause dans la vidéo 4. Et genre le début de la vidéo 5 c'est la fin de la vidéo 4. Genre tu fais pas d'intro. Non, il y aura une intro pour la vidéo 5. C'est juste pour finir la vidéo 4 parce que je voulais l'utiliser comme intro. Regarde, je le récupère, attends. Et bah du coup vous avez le droit à la fin de la vidéo avec le début de la vidéo. Non, bon, on s'en fout. Et là du coup... Regarde comme il est trop mignon, putain. Oh, j'adore. Attends, sexy. On va l'appeler Michel. On peut le feed, il lui faut des champignons. On va l'appeler Michel, mec. Vas-y, appelle-le Michel. C'est Michel, le retour de Michel. Après Somdatica, il s'est réincarné sur Void Train. Et bah voilà. T'as beaux yeux, Michel. En plus, du coup, moi, j'ai ma miniature. Ah tiens, mets-toi devant, là, comme ça, nickel. Voilà, regarde-moi, regarde-moi. Fais-moi une tête de BG, là. Ah, voilà, nickel. Et bah moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Je vous dis à bientôt. C'est Chacha King. Salut.